qu'un de tout, voici les meilleurs remèdes maison. L'atout est un acte réflexe qui permet au corps de dégager les voies respiratoires. Elle peut être due à une panoplie de facteurs tels que le rhume, les allergies, les infections des voies respiratoires supérieures, etc. De manière générale, les quintes de toux se produisent pendant la nuit et tôt le matin. Elles ne constituent pas un problème de santé auquel nous pouvons faire face facilement, puisque la toux peut provoquer la frustration, l'irritabilité, les troubles du sommeil, en plus du fait d'éviter les rencontres sociales. Dans certains cas, les quintes de toux peuvent devenir incontrôlables. Il existe trois types de quintes de toux, une quinte de toux sous-aiguë, toux qui dure moins de 3 semaines, une quinte de toux sub-aiguë, toux qui dure de 3 à 8 semaines, et une quinte de toux chronique, toux qui dure plus de 8 semaines. Maintenant que nous sommes conscients que la toux peut s'aggraver au fil du temps en entravant nos activités quotidiennes, voici quelques remèdes maison qui vous aideront à la soulager. Toutefois, il est déconseillé de dépendre de l'automédication si la toux persiste ou si elle est accompagnée d'une fièvre ou d'autres symptômes. Voici des remèdes pour calmer quinte de toux. Miel pur. Prenez une cuillerée de miel et avalez-la lentement afin de couvrir toute votre gorge. Vous pouvez mélanger le miel avec le jus de lime ou de citron, ce dernier aide à apaiser la gorge. Frottez vos pieds. Massez doucement la plante de vos pieds avant d'aller au lit, en utilisant l'huile d'eucalyptus ou le Vicks Vaporub. Portez des chaussettes et mettez-vous au lit directement. Beaucoup de personnes ont confirmé que ce massage soulage les quintes de toux considérablement. Bain de vapeur. Mettez de l'eau chaude dans la douche et respirez la vapeur. Il est conseillé d'ajouter quelques gouttes d'huile d'eucalyptus, car cette dernière peut dégager les sinus. Ce remède est vraiment efficace notamment si vous avez un écoulement post-nasal. Réflexologie. Nos nerfs se terminent au niveau des pieds. Ainsi, massez la partie inférieure du gros orteil et tenez les autres orteils tout en appliquant une pression avec votre pouce. Frottez le bout de votre pied pour terminer. Hydratez-vous. Il est hautement recommandé d'hydrater constamment les voies respiratoires. Pour ce faire, buvez une bonne quantité d'eau tout au long de la journée. L'hydratation des voies respiratoires soulagera les quintes de toux. En outre, buvez du thé chaud avec du miel ou du jus de citron pour éviter l'assèchement de votre gorge. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.